show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 I need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost. You're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did. 'Cause you were the devil. You mess with my head. You lied to my mother. Century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost.
just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. A ghost inside my head.
Bonsoir à tous. Alors, je suis désolé pour hier soir. J'ai des gros problèmes de santé. Il y a des moments où je peux vraiment pas. Tranquille. Je me lève tranquillement. Bonjour. Bonjour Cici. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, et vous? Oh, tranquillement. Je suis un peu ennuyée, j'ai pas reçu de nouveaux outils. Ah. Qu'on m'a oublié. Vous êtes arrivé à quel jour? Bah hier. Mardi. Enfin, dans la nuit de... En même temps que Biggie, en fait. Ah oui, c'est vrai, vous êtes arrivé en même temps que Biggie. Kadok. Kadok. Oui. Kadok. Et j'ai rien. C'est bizarre. C'est embêtant, surtout. Il faudra en parler au roi quand vous en verrez. Encore faut-il qu'il se colle, lui. Oui, il faut qu'il se réveille, ouais. Pas beaucoup ces derniers. Salut. Bête. Chargée comme une. Pour aller au marché.
Monsieur Freddy. Oui. Monsieur Freddy. Bien le bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Moi je me porte plutôt bien. Ah oui, est-ce qu'il y aura un moyen? Est-ce que vous savez faire des ciseaux? Oui. Ben, je vous l'avais dit. Bonjour. Oui. Bonjour. Ah, puis peut-être une petite armure aussi. Et vous me faites un total, puis je vous paierai. Oui, il n'y a pas de souci. L'armure, c'est 3 pièces déjà. Eh, vous lui faites l'offre spéciale, hein, sans écu. Hein. Sans écu pour lui? Bah ouais. Oh. Non, j'ai rien dit. Et si je lui prends sans écu à lui, je prends 300 à vous. Ah, bah vous pouvez, ouais, hein. Ah, mais lui, il est blindé. C'est un salaud. C'est pas ce qu'il a fait avec les taxes, mais... Bonjour. Monsieur a de la noblesse. Bonjour. Bah non. En fait, j'ai une grosse commande, moi, à vous faire, à vous passer aussi. Oui. Alors, je vais déjà finir avec ce monsieur. Ouais, et faites, monsieur. Ouais. Alors, d'ailleurs, équipement, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez me rajouter équipement de base, donc pioche, hache, torche et une arme à palette avec 100 flèches, s'il vous plaît. Oui. Donc, j'ai de la thune, je sais comment. Quoi, t'as des sous, faut mieux en profiter. Il est où, mon chat? Il est en train de se balader là-bas. On va le chercher. Il aime bien se promener. Dangereux de le laisser se promener tout seul comme ça. Bah, il mord pas, il vous a mordu. Non, il m'a pas mordu. Bah, ça va là. Il aime bien se promener des fois. Oh, là, c'est... Moi, je comprends. Par là, contre, c'est... madame, je crois qu'il faudrait que vous vérifiez. Vous savez, à cause de timbre, des vêtements et tout, vous m'entendez. Oh. Il a un peu l'habitude. Parfait. Allez, viens là. Allez, dépêche-toi. Ah mince, c'est pas celui-là. Oh merde. J'ai une bêtise. Et puis, vous s'y faites de loin. Bah, ils écoutent. Ils sont bien dressés. Hein. C'est... Ils ont très bien été élevés. Hein. Et sinon, vous allez bien, monsieur Freddy? Ça va, et vous? Ouais, écoutez, je vais d'abord essayer de me couper ma... Alors, vous faites quoi de beau? Alors, il me reste les 100 flèches, si j'ai bien compté. Ouais. Pour l'instant, rien. Je viens de me réveiller, je suis encore un peu dans les choux. Ah. Moi, quand je me suis réveillé ce matin, croyez-moi, j'avais mal à la tête. Ah bah ça, je veux bien croire, avec tout ce que vous avez bu. J'avais tellement mal à la tête que je me suis retrouvé sur le toit. Sur le toit? Ouais. Comment vous avez fait pour monter jusqu'au toit? Aucune idée. J'avais peut-être un sommet agité. Les somnambules... Je sais pas, je peux pas vous dire. Je vous dois combien d'ailleurs? Je vais faire les comptes. Je suis niveau flèche et je fais les comptes. Parfait. Il a essayé de voler. Ce qui paraîtrait, je l'ai confondu avec un parasaur. Ou un parasaur. Un parasaur.
pas, je m'en souviens pas. Avec beaucoup de choses en fait. Hein, Ah d'accord. C'est un peu moins chaud que mes habits, mais c'est pas grave. Même celui-ci, tu m'as dit que c'était moi. Toutes les bêtes que tu trouves. Le mannequin d'entraînement. C'est parfait. Ah, bah, j'en ai fait les choses. Ouais, mais faut pas l'embêter. Elle. Je reviens, je vais chercher mon livre de compte. Oui. C'est le jour aujourd'hui. Quel jour? Eh ben, le jour de rendre les livres. Mais... Faut que je vous donne votre livre pour noter. Ah oui, s'il vous plaît, je voulais un livre parce que j'ai vendu un radeau. Bah au pire, je vous le paye les impôts. C'est combien les impôts sur un radeau de 10 écus? D'ailleurs, je vous, en plus, je voulais vous demander un livre. Alors, il y a votre nom dessus normalement. Hein. Alors, je vous devais combien? Je suis en train de compter. Okay. Ouais, je m'appelle Rose. Alors, on a dit un lord d'arbalète, une pièce. Mm-hmm. Un lot de flèches, trois pièces, ce qui fait quatre. Un lot de nouvel arrivant, une pièce, ce qui fait cinq. Un ciseau à une pièce, ça fait six. Plus une armure en métal à trois pièces, ça fait 9. 9 pièces. Oh. Et les torches, c'est gratuit. Désolé, j'ai pas compris. Les prix qu'il y a dessus, c'est des ressources? Ça représente quoi? Oui. C'est le prix des ressources brutes. Le premier prix, c'est pris par une pièce. Et le deuxième prix, c'est pris par 100. Par contre, je crois que j'ai un problème. Quand j'ai regardé dans le livre de Rose, bah, j'ai pas la même quantité d'écriture que dans le mien. Oui, c'est normal. Bah, je les vois pas. Vous avez pas le même. Bah, moi non plus. Mais pourtant, je les ai deux. Ah, faut pas les lancer les pièces, hein, sinon elles tombent dans le sol. Mais je lui avais déjà. Non, c'était pas à lui, c'était à Uliam. Faut les faire à qui? Ah non, c'était à Jack. C'était à Jack, je lui avais dit. Faut les poser dans un comptoir ou alors. Les poser comme si vous posiez une structure. Jack, il a perdu 100 écus parce qu'il m'a jeté les sous. Ah oui! Aïe aïe aïe! Ah, moi j'ai rigolé, mais bon. Merci! Voilà, merci beaucoup. Attends, je lui avais dit. C'est normal, vous n'avez pas le même métier, donc vous n'avez pas besoin d'accord. De la même chose. Oui, j'ai compris, merci. Et du coup, toi, t'as quoi tout? T'as de l'huile, t'as tout? Je crois qu'il y a de l'huile aussi dans l'eau. Choses, faut venir me voir. Après, je sais pas, tous vos besoins, donc j'ai vraiment les principaux. Bah de connaissances, dans ce qu'on peut trouver dans l'eau, il y a de l'anglergel, je crois, les perles, perles noires, de l'huile aussi on peut trouver. Et du métal aussi on peut trouver dans la mer. Bah après, voilà. Oui. C'est tout beau. Alors, client suivant. Ouais. C'est moi, j'ai le ticket numéro 2. Alors, je vous écoute. Alors, en fait, je viens pour commander des pièces d'armure pour Monsieur Jack. En fait, tout ce que je vais vous commander, il faudra le mettre dans l'armoire de Monsieur Jack. Oui, il n'a pas d'armoire. Mais je vous paye. Hein. Si vous pouvez en faire une ou les stocker pour lui, parce que moi, je peux pas. Bah, je vais stocker en attendant. En fait, il me faut une armure en métal entière.
Oui. Une arbalète. Bah, ça sera un lot de deux, vu que c'est vendu par deux. Il veut aussi des flèches qui endorment, il m'a dit. D'accord. Donc ça, c'est vendu par un lot de 100, donc il en veut combien? 200, je crois. D'accord. Ouais, 200. 50 flèches normales, il voulait. Oui. C'est vendu par 100. Hein. Toutes les flèches sont vendues par 100. Je crois que c'est tout. Donc 200 flèches mortelles... Enfin, 100 flèches mortelles, 200 flèches narco. C'est ça. Ah non, il veut deux armures en métal, pardon. Excusez-moi, c'est deux armures complètes. Pas de soucis. Alors, 3, 7, 11, et 6, 17, et 1, 18. Je voulais faire un truc, j'ai oublié. Ah oui, je vais couper les cheveux. Et nous?
C'est bon, monsieur le forgeron? Normalement, oui, je vais vous laisser vérifier. Merci, je vois ça où? Attendez. Je crois que j'ai pas pensé à la bonne chose. Vous avez pas de lien, monsieur le forgeron? Si, si, mais c'est pour vous vérifier la commande. Là, il y a deux ensembles d'armure. Ah non, c'est marqué là. Non, il voulait juste une. Enfin, le lot de. Enfin, il voulait une arbalète, mais ça en fait deux. Oui, parce que c'est un lot. Elles sont vendues par deux. Deux papiers qui sont un peu bizarres. J'ai monsieur Frodi. Oui, l'autre, c'était une note qu'on m'avait déjà donnée. C'est pas la bonne. Oui. Ah, d'accord, c'est la facture de moi. Oui. J'avais mal compris. L'autre, ah bah, c'est ça ? Ouais, c'est ça ? Oui, c'est ça, monsieur. Donc, bah, vous avez le montant dessus, qui fait 18 pièces. 18 pièces, si j'ai bien compté. Donc le contenu de la commande est dans les deux petits meubles. Voilà. Il pourra aller récupérer où? Bah, il faudra qu'il vienne me voir ou je dirai à Alvi où c'est pour que Alvi lui donne. Oui, s'il vous plaît, parce que si vous n'êtes pas là, ça serait bien qu'il les récupère. Merci beaucoup. Bah de rien, à votre service. Oui, Alvi est ici. Monsieur Frodi, oui. Ça coûte combien une arme qui lance des flèches? C'est une pièce les deux. Pièce les deux. Oui, c'est une pièce les deux arbalètes. Regardez mon reflet dans l'eau. Pour deux arbalètes? Ouais. Ah non. Waouh. Bien. Et après, il vous faut des flèches qui vont avec. Oui, aussi, effectivement. Et c'est combien les flèches? Ça dépend si c'est des flèches narco ou des flèches mortelles. C'est 4 pièces les flèches narco vendues par 100. Et c'est 3 pièces les flèches mortelles vendues par 100. Salut et à bientôt. Un paquet de chaque, je crois. Un paquet de chaque ? Il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, je vais te préparer ça, je te mettrai ça dans ton armoire. Puis je t'appelle quand c'est prêt. Okay. D'accord, merci. Bah de rien. Oh. Oui, Elvi ? Deux arbalètes, 200 flèches narco. Et c'est tout. D'accord. Bah, je te prépare ça aussi, puis je t'appelle quand c'est prêt, comme pour ceci. Ça va mettre longtemps? Non, il n'y en a pas pour longtemps. Parce que je suis pressé. Mais vous êtes tous pressés ce soir. Bonsoir, mon roi. Oui. Vous voulez quelque chose aussi? Bon. Je viens juste tout casser, hein. Tout cassé. Ah bon? Oui. Vous êtes comme ça ce soir. Je viens tout péter. C'est du beau, n'inquiétez pas, commencez pas à vous énerver comme ça. Ah mais je suis pas énervé moi. Mais putain mais... Des forges de merde, ça. C'est mieux, ça. Sire,
vos outils hier? Bah, c'est normal. Faut attendre un petit peu. Ah bon? C'était pas une fois par semaine? Bah si. Bah alors? Normalement c'était hier. Bah non, c'est tout à l'heure. Bah non. Allez, moi, je vous c'était hier. Bah. Ah bah t'es peut-être arrivé après minuit? Bah pareil que les autres. Ah je sais pas. Ah bah tu les auras tout à l'heure, de toute façon Laura vient de te dire. Ouais, juste, bon. Juste un petit truc hein. Cette forge elle marche pas au bois. Hein. D'accord, je vais regarder ça. Ça marche à la poudre. Hein. Ah bah ça tombe bien, j'en ai une armoire. Ouais à mon avis tu peux casser toutes les petites. Hein. Parce que à mon avis, vu comment elle cuit celle-là. J'ai été vendre tout à l'heure, donc comme si vous aviez été vendre à ma place. Waouh, beaucoup. Merci. Alvi, votre commande est prête. Ah super, j'arrive. On ça vous fera 4 pièces, Alvi. C'était que des 50 des flèches. Hein? Que 50 flèches par machin. Non, c'est 100. Vous avez de l'autre 50 pour moi. Oui, mais j'en voulais 200. J'en ai marre de cette part de merde. Ah, j'avais compris 100 moi. Non, 200. Oh! J'arrive! Ça aussi c'est de la merde. Belle forge. Merci Alvi. L'armoire. D'accord, merci. On est parti. Il faut que je prenne une mention. D'accord. Ah non, j'ai oublié des boulards, merde. J'ai fait une faire bouffer, mais c'était pas grave. Heureusement, c'est Arthur et Rose pour m'aider. C'est encore moi. Oui. Tu es pas tout, tu es pas tous mes chevaux, hein. Ouais, je vais aller vous chercher ça. Vous imaginez se faire manger pour une coupe de cheveux? Les plus redoutables, c'est quand même une des rapports.
Cadeau. Ah bah merci. Vous pourrez dire à Cici sur la commande de Pratt. Je crois que votre commande est prête, je l'ai entendu. Oui, j'ai entendu ça aussi, je vais y aller. Merci. Alors. Plop, plop. Ah, dans ton armoire aussi. Ah oui, attends. Tu vérifies, tu me dis si c'est bon, si il manque quelque chose, tu me dis quoi? Ouais, c'est nickel. Que... Ah. Alors ça fait 5 pièces, Cici. Que je récupère... Oh. Là, je me sens un petit peu plus frais maintenant. Vous en pensez quoi? Vous les mettez où? Bah dans le comptoir ou sur le comptoir comme vous voulez. Voilà. Merci. Tiens vous. Bien, tout à l'heure. Eh les menaces ici, vous allez vous calmer. Hein. Je demande 2 minutes, je regarde juste un truc. Et on reprend le jeu tout de suite. Hop, ouais, c'est bon.
du romantique si vous voulez. Ah oui, celle-ci. C'est-à-dire un petit peu cheveux longs à la méthode. Enfin, un petit peu à la madame. Alvi. C'est long ça. Ne bougez pas. C'est le plus long, c'est le plus court. Hein. Est-ce que je vous aurais passé deux potions ou pas? Voilà, il faut que vous buvez ça. Bah voilà. Oh, tu es belle. Voilà. Vous avez fait un super travail. Vous voulez commencer quoi comme barbe? Bah en fait je veux la plus courte que vous avez. Ah la plus courte? Mais pas la barbe. Non, je déteste. Par contre je veux pas comme vous, mais c'est une barbe mais très courte. Et ça ressemble à une barbe de 3 jours on va dire. Non non. Une barbe mais de 3 jours. C'est pas beau une barbe de 3 jours. Mais bon. J'aime pas la barbe tout court. Hein. Et niveau cheveux, je prends des S comme ça. Ouais, ouais. J'aime bien. Okay. Que je coupe pas trop. Une barbe de 3 jours. Bah si, mais pour tout, à peu près 3 jours. Ah là, ça me l'air pas mal là. Voilà, ah, merci. Une barbe de 3 jours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous va bien. Bon, après, pour que je fasse des coupes plus précises, il me faudra un atelier, des chaises, un miroir. C'est déjà pas mal là. Bah oui. Vous en pensez quoi, d'abord? Je peux vous conseiller quelque chose? Tant que le forgeon est là, faites réparer vos signaux. Ah oui, d'ailleurs, pardon. Monsieur Fourni. Oui. Service. Oui. Je pourrais avoir une épée déjà. Oui. Il se trouve que j'ai déjà abîmé l'armure. Déjà? Mais vous avez fait quoi avec?
je voulais couper c'est mes cheveux près de la rivière pour le refrain et je me suis fait attaquer par un dino. D'accord, bah... J'ai la même chance que le petit Robin. Bah vous allez pas vous mettre tout nu ici. Donc allez dans la salle d'à côté là. Suivez-moi. Attendez, je sais, j'ai un pantalon. Je vais le chercher deux secondes, il est juste dans mon cheval. Ah bah sinon je vous aurais prêté un truc. Alors, permis, hein. Oui, c'est moi qui vous ai autorisé. Alors, c'est ici. Et si je pourrais avoir une épée aussi, parce que... pas bien pratique. Une perte ciseaux, c'était drôle, mais ça a pas fait beaucoup de choses. Quoi. Les épées sont vendues par deux. Pour une... C'est une pièce, les deux. Ah, bah j'achète. Et une question. Est-ce que vous voulez pas d'autres pertes ciseaux au cas où je sois pas là et vos ciseaux soient cassés? Écoutez, volontiers. Mettez-en moi deux. D'accord. Ah, mais attendez, réparez aussi. Oui, j'y vais. Si vous pouvez d'ailleurs. On va toujours être gentil. Merci beaucoup. Vous pensez quoi de ma coupe de cheveux? Vous m'excusez, je vais chercher juste mon argent pour vous payer. Oui, y a pas de souci. Voilà, ça vous coûtera combien? Alors, une pièce pour la réparation, une pièce pour les deux épées, et une pièce par ciseau, donc ça vous fait 4 pièces. Ok, parfait. Je les mets dans votre bar en dessous. Et bah, en même temps, vous récupérez vos affaires qui sont dans le bar. Ça me semble parfait. Bon bah merci, c'est très sympathique de votre part. Bah de rien, c'est mon boulot.
va faire autrement. Mon roi ? Oui. J'ai un souci, s'il vous plaît, vous pouvez venir voir ? Si. Qu'est-ce qu'il y a ? La cheminée de la forge qu'on m'avait posée, elle m'empêche de rentrer dans ma chambre. Ah. Ah oui. C'est con ça. C'est un peu con. Bah, va falloir péter celle-là, hein. C'est pas grave. Tant pis, je vais en refaire une. Attends, je vais en refaire une. Y'a pas de souci.
Merci mon roi. C'est bon normalement, pas de problème. Alors, noter un truc quand même.
Oui. Oh lol. Mais non, tu dois pas me suivre, petite chose. Je suis pas sûr qu'on en lui connaissait oh lol, mais bon. Je sais pas exactement, elle était là il y a 2 minutes. Ah bah elle est là. J'ai besoin de vous deux. Vous avez vu, j'ai mis des arbres un peu partout. Ah oui. Oui, c'est joli. Bon, il faudra aller chercher du métal, moi. Bon, du coup, vu que j'ai cette forge là, celle-là, je n'ai pas besoin. Et du coup, lui. On va prendre ce qu'il y a dedans. On va coller à la place. Dans ma vie. Partons chez elle. Ouais, c'est mieux comme ça.
quoi, monsieur Fourcade? Vous voulez de l'aide? Si vous voulez. Il vous faut quoi? Bah, du métal et du silex, il me faut. D'accord. Autant rentrer au cheval, ça m'évite pas de rentrer. Vous devriez rapprocher votre cheval ou mettre dans mon parasol. Ah, bonne idée. Je retourne au village du démon parasol, je reviens. Ah, regardez dans l'armoire où il y a mon nom dessus. Et j'ai mis du métal dedans. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas, j'ai regardé.
Ah bon? Oui. Bah non. À la deuxième ligne, c'est pas une vente. Hein. Oh. Non. Regardez dans l'armoire. Trop de bêtes. Ouais. Effectivement. Bah, je les mettrai là à chaque fois. Thank you.
Alvi, vous êtes là? Oui, je suis là. Je parle sur Freddy. J'ai des trucs pour vous, Dame Alvi. Salut bonbon. Je vous ai mis des narcotiques dans votre cheval. Et j'ai de la viande rouge, ça vous intéresse? Oui, vous pouvez mettre dans la cuisinière là. Puis. Et je voudrais vous commander 1000 pots de narcotiques quand vous pourrez. Eh ouais, monsieur le forgeron, ça je crois partout. Je vais vous chercher l'argent, j'en reviens. D'accord. Ça passe. J'ai endormi une boule avec ça. Ouais, j'ai endormi une bestiole en forme de boule avec une grosse queue, une petite boule en pic. Ouais, là j'ai pas mal de commandes là. Je suis pas venu hier et. Je vais vous poser l'argent sur le comptoir, Alvi. Bonjour, Ronny. Bonjour, Freddy. La petite commande que vous m'aviez passée est prête. Ah, il y a encore des choses pour vous. Je vais mettre tout ça dans mon armoire. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Johnny. Bonjour. Monsieur Freddy. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Je viens voir si vous aviez traité ma commande. J'avais posé une liste.
Ah oui. Ah bah oui. Parfait. Combien est-ce que je vous dois pour tout ça? Normalement, j'ai dû vous mettre une petite note. Je regrette. Ah. J'allais voir parce que normalement, j'en avais mis une. Alors, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ça fait 8 pièces. Merci bien. Ah bah c'est un plaisir pour moi. Je vous dois combien, Froli? Toi ça fait 8 pièces aussi. Et avec ce que j'irai me rajouter dedans. Travail. Ah bah dis donc, vous avez pas fait les choses à moitié, Oni? Ah non, jamais. C'est tout ce que j'entrepose depuis un petit bout de temps. Ouais. Et là, vous pouvez me refaire une arbalète. CKF. Ouais, je vais regarder. Alors, un goût de moteur et kératine. Dites-moi, Oni. Vous auriez pas de la kératine? Vous en faut combien? Il m'en faut 12. Et si je dois vous refaire une arbalète, il m'en faut 32 plus. Alors, le son du jeu, parce que t'entends pas les joueurs. On va regarder ça tout de suite. Oui. Oui.
sûrement plus à vous qu'à vous. J'ai déjà remis des trucs dans votre armoire si vous voulez. Et hop, alors, déjà ici. On va augmenter le volume de communication, on verra bien. Parce que si je monte le son du jeu, après moi c'est moi qui vais devenir sourd. Avec les réparations et tout, bien sûr. Oui, je suis en train de faire votre arbalète, Oni. Hop. Alors, on a une armure complète réparée à une pièce. On a 4 arbalètes réparées à une pièce. Et on a une nouvelle arbalète de fête à une pièce. Donc ça fait 4 pièces. Plus les flèches et tout. Plus les flèches où il n'y en a pas eu une pièce, donc ça fait 12 pièces. Merci bien. De rien. Tu vas en avoir besoin d'autres rapidement, des flèches ou... Non, ça doit aller pour l'instant. D'accord. Parce que il faut que j'en fasse mon stock de flèches, j'en ai plus là. Et pour faire des flèches, il faut des silettes donc. Merci. Oh bah de rien, bonbon. Merde. Là, c'était Oni. Achat. Douze pièces. Et avant, c'était qui est venu me donner 8 pièces, je sais plus, moi. Définit tellement ce soir que j'ai plus le temps de suivre. Bon, on va marquer achat d'hiver. Hein. C'était qui? Ah, c'était Kadok. Kadok. Hop. Ah oui, il y a Jack encore, j'ai pas noté.
Ah oui, Jack. Oui. Jack, achat d'hiver. D'ailleurs, faut que j'aille ranger le matos. Ça me fout un peu la paix. Je vais peut-être avoir le temps. Popo, save. Ouais, je sais que c'est toi qui les as achetés, mais... Je marque le nom de qui pour ce qu'est... Ah, il faut que je joue dans ma vie. Malvi ? Oui. Vous sauriez pas où il y a 3-4 armoires ? C'est tous les nouveaux qui sont arrivés, là j'ai plus assez d'armoires pour... Non, croisiez monsieur l'évêque. Faut que je croise monsieur l'évêque. Bon bah j'attendrai qu'il vienne alors. Merci. Bon, on va trouver une armoire de libre à l'étage. Normalement, c'est dans celle-ci qu'il y a des armoires de libre. Ouais. Donc, là-dessus, on va faire renommer. Hop, Jack. Hop. On va aller chercher sa commande. Alors, pour ceux qui sont sur le live... et qui joue en même temps. On rappelle que tout HRP est interdit. Donc ce que vous voyez sur le live, vous n'avez pas le droit de vous en servir en jeu. Normalement, il faut que je joue avec le roi pour faire des travaux dans la forge. Pour y mettre des tonneaux, justement. Bah, tu vois, la limite des armoires sur la fondation des armoires, là. Ouais. Mettre un mur, tout de long. Avec une porte à chaque bout. Et entre, là, que des tonneaux sur deux de haut. De chaque côté du mur. Et là c'est pareil, ces trois armoires là vont être remplacées. Il y aura des tonneaux sur deux de haut. Tout le long du mur, sauf aux endroits des fenêtres bien sûr, où ce sera que sur un de haut. Et suivant la place, avec l'évêque, on a dit qu'on mettrait peut-être un deuxième mur ici. Et on refera la même chose, des tonneaux, il y aura juste un passage au milieu. Le plus embêtant, c'est avec les poteaux là. On a peur que ça passe pas. Donc si ça se trouve, il faudra éviter des tonneaux à certains endroits pour pouvoir contourner. À moins qu'on mette les portes aux endroits des poteaux. La porte ici, elle soit là. Il faut déjà j'arrive à voir le roi et le roi il est débordé en ce moment.
pour lui expliquer le projet. Dame Alvi, vous êtes là? On est parti. Dame Alvi? Oui. Vous savez si le roi est encore réveillé? Non, je ne sais pas du tout. Il était au château tout à l'heure, mais je l'ai pas revu après. Je vais aller voir si c'est toujours au château. Mon roi, vous êtes là ? Mon roi, vous êtes là ? Apparemment, non. C'est con parce que... Je l'ai vu tout à l'heure en plus, il m'a fait des modifications à la forge. Il m'a installé cette nouvelle forge là. J'ai pas pensé à lui demander. Tant pis. Ce sera pour une prochaine scène. À un moment, de toute façon, le roi, il faut que je le voie avec l'évêque, parce que c'est une idée de l'évêque, donc... Je pense qu'il faut réussir à croiser le roi plus l'évêque réveillé en même temps. Non, c'est pas pratique. Avec le poteau derrière. C'est bon. Oh, bonne chance, bonne chance. Il va pas me faire un deuxième trou là où j'en ai déjà un, le roi. Il est d'accord, il est d'accord, il est pas d'accord, bah tant pis.
Bah, vous faites quoi dans ma vie? Se repose, je crois. Ouais, bon. Si vous le dites. Calme. Ça va, ça vous a calmé un peu? De toute façon, j'ai des choses à demander à l'évêque. J'ai des choses à demander au roi. Et j'ai des choses à voir avec les deux en même temps. Donc, arrête ça. Ouais, ranger ça. Cette semaine, ça va peut-être être dur d'avoir les deux en même temps. Mais il y a d'autres semaines. Le chercher. Bah, je sais pas où il est. En plus, il est énervé. Alors, je sais pas s'il va pouvoir venir. Hein. Lui aussi, il est énervé. Ah oui, lui, c'est pire. Ici, en fait, j'ai plus assez de place pour vous tous. Donc, je pense que j'ai déplacé les armoires le long de ce mur-là. Et j'ai tout sous ma Dizzy maintenant pour vos commandes. Donc, ça, vous rentrez par la porte ici, vous mettrez vos trucs ici, vous venez retirer par la porte ici. Et voilà. Ah bah, plus. Merci d'être passé, bonbon. De toute façon, moi, j'ai pas tardé d'arrêter. Dans un quart d'heure, c'est la fin. Thank you.
verra demain pour la suite. Bah, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à demain sur ma forme. Et je vous souhaite une bonne fin de nuit. Merci à tous.